vous prend? Vous êtes marteau! Je suis pas marteau, je suis ferme. Attendez, je vous reconnais. Vous êtes la boniche qui nettoie les pioles. J'étais. Il y a eu du changement. Du changement? De la promotion. Figurez-vous que je viens de passer intendante. Vous êtes plus boniche alors? Disons qu'il y a boniche et boniche. Vous avez la connasse de base, sans ambition, sans avenir. Et puis vous avez l'intendante. Je sais même pas ce que c'est, moi. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après mes nouvelles consignes, par exemple, je suis responsable de la gestion des stocks de vivres. Les stocks de vivres? C'est moi qui garde ta bouffe. Et je vous annonce tout net que les collations 2h du matin, vous pouvez faire une croix dessus. Mais vous pouvez pas faire ça, il y a outrage! Outrage à quoi? Mais je suis chevalier, vous ne pouvez pas m'interdire de bouffer! Mais je vous interdis pas de bouffer pendant les heures de repas! Seulement vous êtes un poil en avance. Le petit déjeuner est servi dans 6 heures. Dans 6 heures? Mais comment voulez-vous que je tienne 6 heures? Avec quoi? Dans 10 minutes, je tombe dans les pommes! Ah, mais rien ne vous empêche de vous constituer un stock personnel dans votre chambre avec des produits que vous achetez vous-même. Oui, mais pour cette nuit, j'ai rien prévu! Pas un crouton de pain ne sortira du stock en dehors des heures de préparation de repas! Ça y est. Je vois trouble. C'est le manque de gras, je me dessèche. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là-dedans? Sire, enfin vous arrivez pour me sauver! Vous sauvez de quoi? De l'hypolipémie! De là? J'ai plus de gras dans le sang. Je vais me mettre appelé à perdre mes cheveux. Mes hommages, sire. Tiens, vous êtes pas la boniche qui fait les pions d'habitude? Comme j'expliquais au seigneur Carado. C'est cette machine-là qui s'est mise en tête de bloquer la bectance! Faites quelque chose ou je vais tout bousiller là-dedans! C'est une précaution militaire. En cas de siège, il faut pouvoir tenir un mois complet. En cas de siège? Ah, mais fermez-la deux secondes, non? Mais il n'y en a pas de siège, pauvre con! Oh, sire! Non, mais ça va bien, non? J'en ai rien à foutre! Assassin! 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 Non, mais moi, je vous reproche pas de faire votre boulot. Simplement, la bouffe, c'est un sujet sensible, surtout pour certains. Sire, moi, j'applique ce qu'on me dit d'appliquer. Je vous répète plus les consignes. Non, mais ça va, vous allez pas me répéter jusqu'à demain. C'est bon, je le connais, le coup du siège. Oh, bah, si vous me dites que ça tient plus, hein. Non, c'est pas que ça... C'est pas que ça tient plus, évidemment. Il faut faire attention, on sait jamais. Ah, vous voyez bien? Oui, mais c'est pas un bout de saucisson qui va faire la différence en cas de siège. Le seigneur Caradoc se prépare 4 collations par nuit. Le seigneur Caradoc, il t'emmerde. Chacune équivalente à un repas pour 3 personnes. À ce rythme-là, c'est pratiquement... Non mais je sais, c'est bon, simplement, Caradoc, c'est spécial. Ah, mais moi j'applique les consignes, ah, hein. Mais je sais, vous appliquez les consignes, c'est bon. Alors continuez à les appliquer, simplement, pas pour le seigneur Caradoc. Ah bon. Voilà. Eh ouais. Tu vois où tu peux te les carrer, tes consignes? C'est vous, seigneur Caradoc? Non, c'est le seigneur Léo Dagon. Mais qu'est-ce que vous faites? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Il voit bien que je boulotte un bout de saucisse. Ah!